et à tous dans cette série d'émissions dédiées aux personnalités africaines qui ont marqué ou qui marquent encore par leur engagement, par leur charisme ou par une ascension fulgurante dans la société. L'histoire du continent noir. Ce sont les héros et héroïnes d'Afrique. Cette semaine, nous allons découvrir une voix exceptionnelle qui a ébloui le monde et chanté l'Afrique. Ce refrain, sonnant comme un espoir, fait danser la planète depuis des décennies. Née en 1956, en Afrique du Sud, cette chanson s'inspire de la danse des townships appelée Pata Pata. Ce pays, marqué par la ségrégation raciale, où les conditions de vie pour les non-blancs sont terribles. Presque un hymne, Pata Pata peut se traduire par touche-touche en Xhosa, une des 11 langues du pays. Voix légendaire du continent africain, devenue l'un des symboles de la lutte anti-apartheid, elle est morte au combat, pratiquement sur scène. Vous l'aurez reconnue. Il s'agit bien sûr de la grande Myriam Makeba, surnommée Mama Africa. Myriam Makeba naît le 4 mars 1932 dans un township près de Johannesburg. Son père est instituteur, issu de l'ethnie Xhosa. Sa mère est une domestique dont la famille est issue de la population Swazi. Prénommée Zenzi, à sa naissance par sa grand-mère qui, in extremis, sauva l'enfant et la mère. Zenzi est le diminutif du Zenzile, qui signifie « tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même ». Ce prénom lui restera. Elle n'a que quelques jours lorsque sa mère est emprisonnée avec elle durant 6 mois pour avoir fabriqué de la bière afin de subvenir aux besoins de sa famille. Activité interdite aux Noirs. Kazuel Makeba, le père de la petite Zenzi, meurt quand elle a 6 ans. Son premier maître à penser sera Joseph Mutuba. Le professeur de musique remarque la jeune Zenzi et l'encourage à exercer son talent dans les chorales de l'école. En 1948, les nationalistes afrikaners gagnent des élections. L'infernal arsenal de la politique de l'apartheid se met, brique après brique, barbelé après barbelé, en place. C'est dans ce contexte que Myriam vit son enfance et tombe très jeune enceinte de James Kubey, un jeune homme qui s'apprête à devenir policier. Elle l'épouse en 1950 et donne naissance à une petite fille, Bongi, littéralement « je te rends grâce ». Mais la vie de Myriam n'est pas gaie. Exploitée par sa belle-mère, battue par son mari, elle finit par s'échapper, laissant Bongi à sa mère pour partir en quête d'un travail. Zenzi Makeba enchaîne les petits boulots pour survivre. Le chant intègre sa vie lorsque un de ses cousins lui propose de chanter pour les Cuban Brothers, un orchestre amateur dont il fait partie. Le groupe qui n'a rien de cubain connaît un vrai succès à Orlando East, un quartier de Soweto qui deviendra tristement célèbre quelques années plus tard avec les émeutes étudiantes réprimées dans le sang. Lors d'un concert, un certain Nathan Mdlele l'entend et lui propose d'intégrer les Manhattan Brothers, un des quatuors vocaux les plus en vogue du moment. En 1952, ce sont les membres de la formation qui lui donneront son nom de scène, Myriam. Grâce à son talent, elle devient très rapidement une vedette dans le pays. Inspirée par les chants traditionnels sud-africains de la région de son père à Coffee Bay, en bordure de l'océan Indien, la jeune chanteuse les combine avec les rythmes de jazz que l'on pouvait entendre dans les rues de Sophiatown, un quartier métissé de Johannesburg, Good Street en est le cœur névralgique. Le repère vibrant des intellectuels noirs et blancs, des églises anti-apartheid et de l'avant-garde artistique et musicale. Myriam Makeba s'empare de cette atmosphère bouillonnante. La musique qui se joue à Sophiatown transmet un message. Myriam chante tout ce qu'elle voit, comme dans la chanson Kaouleza. Au sud-ouest de Sophiatown, Soweto s'étale en longue avenue de petites masures. C'est là que Makeba a grandi. C'est en 1956, alors en pleine confiance et militante, qu'elle écrit son plus grand succès, Pata Pata, avec lequel elle fera le tour du monde. En 1959,
est l'année où tout bascule. Elle joue tout d'abord dans une comédie musicale King Kong dont les représentations tournent dans tout le pays. Le succès est au rendez-vous. Ensuite, Myriam Makeba se rend à Venise pour la projection du film tourné clandestinement, Comeback Africa, en première mondiale, dans lequel elle fait une courte apparition avec ses deux chansons devant le public du Festival International. Le film remporte le prix de la critique et Myriam Makeba s'étonne d'être suivie par des photographes. Le réalisateur du film, Lionel Rogozin, lui annonce très rapidement que des personnalités importantes l'attendent aux États-Unis. L'un pour la recevoir dans son célèbre Steve Allen Show et l'autre pour la programmer au Village Vanguard, le fameux club de jazz de New York. Le chanteur et activiste américain Harry Belafonte, lors d'une projection du film, la rencontre et se propose de l'aider au cours de son séjour américain. Ce qu'il fait à merveille, le succès est immédiat. Lors de son passage au Village Vanguard, l'équipe de Belafonte, qu'elle appelle dorénavant Big Brother, l'a fait se défriser, car aux États-Unis, c'est la mode. Le soir même, elle passe ses cheveux et les frotte sous l'eau, et ils reprennent leur aspect naturel. C'est cette coupe que bientôt les femmes afro-américaines appelleront afro en l'imitant. Pour son premier concert au Village Vanguard, une multitude de stars sont présentes pour venir la voir. Y figurent Duke Ellington, Sidney Poitier, Nina Simone, Miles Davis. Des vedettes de cinéma sont également fans de la sud-africaine comme Marlon Brando. Sa carrière s'illumine, mais elle ne lâche pas son combat pour les droits civiques. Myriam Makeba se rend compte que la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et la lutte contre le racisme aux États-Unis sont une même réalité. C'est-à-dire un apartheid qui ne dit pas son nom. Quelques semaines plus tard, en 1960, alors qu'elle se produit à Chicago, on l'avertit que sa mère est décédée. Elle apprendra également qu'elle ne peut pas se rendre à ses obsèques. Son passeport est annulé. Un exil forcé qui durera 31 ans, en raison de son apparition dans le film Comeback Africa. Ce film en noir et blanc n'a pas été apprécié par l'administration sud-africaine, car il participe activement à la dénonciation internationale de l'apartheid. Ses disques sont également retirés de la vente en Afrique du Sud. 3 ans à peine après s'être installée aux États-Unis, elle réussit à faire venir à New York sa petite Bongi. Femme engagée, elle ne cesse de prononcer des discours anti-apartheid et d'appeler au boycott de l'Afrique du Sud devant les Nations Unies. And all the leaders of the world, would you act differently? Would you keep silent and do nothing if you were in our place? Would you not resist if you were allowed no rights in your own country because the color of your skin is different to that of the rulers? And if you were punished for even asking for equality, I appeal to you and through you to all the countries of the world to do everything you can to stop the coming tragedy. Elle apparaît aussi au fameux Ed Sullivan Show, l'autre grand rendez-vous télévisé qui a propulsé Elvis, les Doors, les Beatles ou encore les Jackson 5. Elle y est introduite par grand frère, Harry Belafonte. Elle chante en Zulu, en Xhosa, en Tswana, en Swahili, en arabe. Ses mélodies chantent la tolérance et la paix. En 1966, Makeba reçoit un Grammy Award pour son disque An Evening with Harry Belafonte and Myriam Makeba et devient la première sud-africaine à obtenir cette récompense. Son mariage, en 1969, avec le militant des droits civiques afro-américain Stokely Carmichael, chef des Black Panthers, lui cause des ennuis aux États-Unis. Le FBI la surveille nuit et jour. Elle est obligée de s'exiler et s'installe en Guinée. Elle se sépare de Carmichael en 1978 et en 1980, dans ce pays où la polygamie est légale, elle devient la deuxième épouse de Bajoba, un Guinéen influent, directeur à la Sabena. Après la mort du président guinéen Ahmed Sékou Touré, Myriam Makeba part vivre à Wolowu, Saint-Lambert, dans la banlieue de Bruxelles. Poursuivant ses engagements, elle consacre des chansons à Patrice Lumumba, Ahmed Sékou Touré, Malcolm X ou Samora Machel. En Tanzanie, l'enthousiasme avec lequel le président Julius Nyerere lui remet un passeport lui donne pour la première fois cette impression de ne pas être une Sud-Africaine, mais d'être une Africaine. En 1987, Myriam Makeba rencontre à nouveau le succès grâce à sa collaboration avec Paul Simon dans l'album Graceland. Peu après, elle publie son autobiographie
Makeba, My Story. Myriam Makeba est décorée par la France au titre de commandeur des arts et lettres et obtient la nationalité française en 1990. C'est avec un passeport français qu'elle reviendra en Afrique du Sud à la libération de Nelson Mandela, emprisonnée avec la plupart des dirigeants du Congrès national africain au pénitencier de Robben Island. En 1992, elle interprète le rôle de la mère dans le film Sarafina, qui raconte les émeutes de Soweto en 1976. Leading the struggle with nothing in your hands can bring confusion in the family. Elle annonce en 2005 qu'elle met fin à sa carrière, tout en continuant à défendre les causes auxquelles elle croit. La voix légendaire du continent africain s'est éteinte pendant la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2008 à 76 ans, près de Naples en Italie. La diva a été victime d'une crise cardiaque à la suite d'un concert de soutien à l'écrivain Roberto Saviano, auteur de Gomorra, menacé de mort par la mafia. Carrière, Myriam Makeba n'a jamais cessé de combattre l'injustice du racisme à travers sa musique. Un combat qui a fait d'elle une citoyenne du monde. Ainsi s'achève l'histoire fabuleuse de Zenzi Makeba, la voix d'or d'Afrique. Nous attendons bien sûr vos réactions sur les réseaux sociaux de la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'histoire d'un autre personnage tout aussi passionnant.